Boy, Lucy, what's going on? Thanks to Jade, Jared decided not to kill himself. And he's changed his will, leaving the towers to Jade instead of Emerald. But Emerald found out about it, and now she's trying to seduce Chet to give her the new will so that she can destroy it. Montana's planning to kill Jared at midnight, so the towers will belong to Emerald and Montana. But I think she's going to double-cross him, and he doesn't know it yet. Poor Chet. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynchpinning. J'ai failli oublier le nom du podcast. Je suis Sofiane, avec moi Dorian. Salut. Ça va Dorian? Écoute, ça va bien Sofiane. Et toi? Bah ça va. Cette semaine, je me suis occupé avec, avec l'audiobook de Room to Dream. Alors qui est gratuitement disponible sur Spotify. On conseille. Hein. Dans le bon ordre. Ouais, c'est la biographie de David Lynch, donc c'est intéressant et c'est raconté en partie par David Lynch. Et donc j'ai écouté ça pas mal de fois dans les transports et tout. Ouais, ça se dévore vite. Hein. Moi, je sais que j'étais sur la version bouquin et tu m'as doublé genre en 5 minutes. Quoi. Les deux premières heures, il parle d'arbres et de forêts pendant à peu près les deux premières heures. Donc j'étais pas perdu. il a même grandi, enfin il a passé son adolescence dans une ville qui s'appelle Boise. Et Boise, c'est en fait boisé, mais version américaine. Donc, il a vraiment été en contact avec la forêt toute sa vie, quoi. Ouais, il parle beaucoup de son enfance. A l'air d'être clairement la meilleure partie de sa vie. Quand il en parle, c'est vraiment l'âge d'or pour lui. C'était avant le lycée, où apparemment c'était vraiment une période misérable. Même si c'est juste parce qu'il avait l'air de s'ennuyer, parce qu'il voulait juste faire de la peinture et que ça le saoulait d'aller en cours. Mais son enfance. Dans le bouquin, c'est vraiment idyllique, quoi. Ouais, en plus quand on sait qu'ensuite dans sa vie d'adulte, il a brisé des cœurs, etc. Là, j'en suis à ses premières femmes et ça a l'air compliqué. Ah, même ça revient beaucoup sur son enfance et sur son adolescence, c'est qu'il était jamais célibataire. C'est vrai. Ouais. Il voyait souvent une ou plusieurs filles. Enfin, c'est vraiment, il était fasciné par les filles et. Et même si il parle du fait que passer à l'action, c'est arrivé assez tard, il avait toujours une copine depuis qu'il était tout petit, quoi. Il y a une femme en particulier qui me vient en tête dans un des moments du bouquin où il parle de l'apparition d'une femme nue dans les bois. Ah oui, alors là, c'est complètement. Oui, c'est pas une femme de sa vie, qui est apparue dans sa vie. Qui a marqué sa vie. Qui a marqué sa vie. C'est la première fois qu'il voyait un corps féminin nu. Elle avait du sang dans la bouche, etc. Et lui, il voulait l'aider, mais il savait pas trop quoi faire. Il était encore assez jeune. Et donc, cette petite anecdote, ça marque beaucoup, beaucoup de son cinéma. Ça marche pas trop. Franchement, allez écouter ce. Et cette anecdote, elle est aussi dans The Art Life, qui est le documentaire sur Lynch et son enfance et toute sa période à faire de la peinture et tout ça. Donc on recommande tout pareil, même si vous cherchez vraiment beaucoup d'anecdotes, évidemment le bouquin est beaucoup plus riche, mais voilà. Non, franchement, très bon bouquin, ça s'écoute très très bien. Si vous avez jamais testé d'audiobook, etc., en même temps vous êtes habitué à nous écouter et les autres podcasts. Donc mais voilà, les audiobooks, ça s'écoute vraiment super bien. On conseille. Cette semaine, on va vous parler de l'épisode 5. Épisode 5, qui s'appelle... T'es sûr que c'est l'épisode 5? Alors oui, parce qu'en fait, il y a un pilote, c'est l'épisode 0. Et donc l'épisode s'appelle The One-Armed Man. Ouais, c'est ça. Qu'on a déjà vu. Oui, on l'a déjà vu, dans un rêve, et même un peu avant aussi. Ouais, même un peu avant. Mais du coup, là, c'est l'épisode où on le revoit, ou est-ce qu'on le revoit vraiment? C'est un peu la question. Alors, l'épisode est réalisé par Tim Hunter, qui est connu pour avoir réalisé le film River Jade en 86, film sur le meurtre de Marcy Conrad, et son nom sur l'enquête, etc. Et donc, il y a quand même des liens. C'était une histoire vraie, un peu la vraie Laura Palmer, si tu vois. Ah, ok. Je vois. Ensuite, il a bossé pour Mad Men, Breaking Bad, Deadwood, Carnival, et des tonnes d'autres. Ouais. Un joli CV. Un bon petit CV de série, hein, honnêtement. Ouais. Pour cet épisode, il s'est inspiré de Fallen Angel de Otto Preminger. Voilà. Encore lui. Encore lui. Ouais. En même temps, Otto. J'y reviendrai tout à l'heure. Ouais.
L'épisode est écrit par Robert Engels, qui va écrire 11 épisodes de Twin Peaks en tout, yes, dont le dernier épisode de la saison 2, yep, et Fire Walk With Me. Donc, Vraiment, vraiment lié, et c'était un peu, j'ai noté, c'est le troisième Beatle. Oui, c'est vrai que c'est pas le gars à qui on file les fillers, quoi. Le mec, on lui file des trucs vraiment Twin Peaks à fond, quoi. Avec Harley Payton de l'épisode précédent, c'est lui qui a écrit le plus d'épisodes. D'accord. Donc en gros, la Writer's Room, ça consistait de Frost, Payton, Engels et Lynch quand il était là. D'accord. Voilà, c'était plus ou moins ces quatre-là qui ont fait Twin Peaks, quoi. Depuis, il n'a pas fait grand-chose. Aïe. À part être producteur exécutif d'Andromeda de 2000 à 2005. Et depuis, donc, plus rien. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose. I can see the smoke. I can smell the fire. The battle is drawing nigh. Passons à la Log Lady. Oui, l'intro de la Log Lady qui est très sympa. Ouais. Et qui laisse plein de petites choses hyper intéressantes. Peut-être des choses dont on pourra revenir aussi dans la partie spoiler. Elle parle des gens qu'on rencontre pour la première fois alors qu'on pense les avoir déjà vus. Ouais, la sensation de déjà vu. Donc, il y a un écho dans l'épisode là-dessus. Yep. Quand le manchot, Philippe Gérard, dit avoir peut-être déjà vu Bob quelque part, il a un visage familier. Ensuite, elle dit « Look in the mirror, is it a dream or a nightmare ?» Yep. Ensuite, elle dit « I can see the smoke and I can smell the fire. » Vraiment beaucoup de choses qui vont revenir dans la série, donc on peut pas vraiment en parler maintenant, mais les gens qui ont vu la série, je pense qu'ils comprennent un peu où... Chaque phrase, c'est un truc. Et puis, elle termine par « La bataille se rapproche » ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus une référence à Ben et Catherine qui vont brûler, qui veulent brûler la série. Oui, le feu, je pense que... Mais ça peut être aussi... D'autres façons, mais la plus simple quand on a voit l'épisode. Le générique. Le générique. Alors, je me demandais deux, trois trucs. Dis-moi. L'oiseau. J'ai vérifié, il était là et il était en grande forme, ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu crois qu'il est toujours en vie de nos jours? Écoute, je ne sais pas exactement quelle race c'est. Ça se trouve, il va tous nous enterrer. J'espère. Pourquoi il n'est pas dans The Return, alors? Ah, là, on est dans la section spoiler. Non, c'est pas un spoiler. Non, c'est pas un spoiler. L'oiseau, c'est vrai qu'il n'est pas... Il apparaît pas dans le... Non, je suis désolé, l'oiseau qui est sûrement mort depuis... Mais je me demandais, est-ce que tu crois qu'il est en embrouille avec Lynch? Il a posté des trucs sur Facebook. Il a mis des trucs sur Facebook, des complots, des trucs comme ça. Et donc Lynch, je veux plus jamais travailler avec ce mec. Ou cette femme. Oui, voilà. Le non-gender spécifique oiseau du générique. C'est vrai. Mais on le salue, s'il nous écoute. On le salue, oui, sûrement. Hein, il doit parler français. Parce que c'est vraiment le voyage. C'est vraiment le MVP du générique. Ouais. Et ça fait toujours plaisir de le voir. L'épisode commence avec un plan de la photo de Laura, donc le truc qu'on voit toujours à la fin des épisodes. Et la caméra la caméra bouge petit à petit, et ensuite on voit donc le visage de Bob en dessin. Yep. Donc derrière le dos de directement le lien entre Laura et Bob, quoi. Yes. Ouais. Yes. Parce que du coup, ça commence chez les Palmer, où Andy, du coup, il fait un portrait robot de la personne que Sarah elle a vue dans sa vision. Andy dessine très bien. Ouais, c'est genre son truc. On a trouvé son utilité dans le département. Quoi. Voilà. C'est un hard boy. On peut se demander, même quand on voit ce qu'il fait après dans l'épisode, oui. Pourquoi il est là. Mais en fait, ils ont besoin d'un mec qui dessine. Quoi. Oui, qui fait des portraits robots. Et du coup, oui, c'est un petit truc qui, en fait, est mentionné dans la fin alternative du coup du pilote international, où en fait, c'est quand Leland, il appelle Cooper, si je ne me trompe pas. Non, il appelle Lucy et il lui dit que Sarah elle a eu une vision. Et donc du coup, Lucy elle lui dit, t'inquiète pas, j'ai quelqu'un qui va te faire un portrait robot, mais tu vas pas y croire. Et du coup, cette scène, on la voit pas, mais dans le pilote international, mais elle figure du coup, puisque tout est réutilisé de cette storyline, tout est réutilisé dans cet épisode. Donc on démarre là-dessus sur Andy qui fait le fameux portrait robot de Bob. Je voulais parler d'un truc, c'est une scène où il y a Doc Hayward qui est là. Il y a Sarah Palmer qui est là aussi. C'est intéressant parce que Grace Zabriskie qui joue Sarah Palmer et Warren Frost qui joue Doc Hayward, ils ont tous les deux
jouer un époux et une épouse dans Seinfeld plus tard. Ils sont là dans une dizaine d'épisodes en tout, quoi. Ok. Donc c'est petite Cross connexion. Ouais, petite connexion. Et donc j'en parle maintenant parce que c'est rare que les deux se retrouvent dans la même. Le Venn diagramme de Twin Peaks Seinfeld. Et... Ouais. C'est juste deux cercles en fait qui se touchent à peine. Zabriskie, on en a pas trop parlé. C'est vrai. Elle est super. Alors que ouais, au générique, elle est vraiment genre. C'est pas starring, c'est genre vraiment. Ouais. Non, c'est elle est star. Là. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ouais. particulier. Parce qu'elle est pas là à chaque épisode. Mm. Elle avait un rôle dans Santa Barbara. Ok. Donc le soap opéra que les inconnus ont parodié. Ah oui, Santa Barbara. Barbara Et donc c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Et ensuite elle a eu le rôle de Sarah Palmer. Donc elle a commencé dans les soaps et maintenant elle se retrouve dans une parodie de soap. Intéressant. Leland arrive. Oui, on lui. Il a pas l'air très net. Non, et puis on lui trouve encore une nouvelle personnalité, ouais. où là, c'est un connard cynique. Un peu cruel, ouais. 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 Il se moque des visions de Sarah. Alors que, si je peux refaire un saut dans la fin du pilote international, quand il appelle Lucie et tout, il est vraiment investi d'une mission, quoi. Sarah lui a confié des visions qu'elle a eues, il va prendre les choses en main, il va faire quelque chose. Donc là, ça a été changé. Quoi. Ouais, là, il est vraiment... ok. Ouais. Ma femme devient folle, je m'en fous. C'est quand même bizarre vu l'état dans lequel on l'a laissé dans le dernier épisode. Ouais. Ouais, il fait le yo-yo. Quoi. Mm. Sarah parle donc de sa vision du collier, et là il y a un plan sur Donna qui est là genre. Oh parce que c'est elle qui a planqué le ouais. collier avec James. Tu t'y attendais pas. C'est dans le contexte d'une phrase. Parce que c'est la prononciation officielle, c'est James. Et donc là, James est monté sur sa moto. Oui. Donc oui, il y a un plan sur Donna qui réagit à l'information de la vision du collier que ça raconte. Mm-hmm. Donc ils doivent un peu tous se demander là. Merde, comment est-ce que. Ouais. Comment les rêves de Cooper et de Palmer oui. sont connectés? Comment est-ce qu'elle a vu le collier? Là, le surnaturel un peu commence vraiment ouais, à... Il investit complètement la réalité voilà. de Twin Peaks et je commence à me demander si en fait, parce que quand on voit Truman et tout, il n'est pas en train d'agripper son fauteuil, je me demande à quel point en fait, ce pas vers le fantastique n'a pas toujours eu lieu à Twin Peaks. Mmh. Et c'est pour ça qu'il n'était pas si surpris lorsque on Cooper... On n'en parle pas trop, c'est tout. Quoi. Oui, voilà. Mais peut-être que... C'est comme dans Buffy, il y a Sunnydale. Mm-hmm. C'est the Hellmouth, la bouche de l'enfer. Ouais. Donc tous les démons sortent de là. Et en gros, il n'y a jamais personne qui en parle. Enfin, il y a des meurtres, mais genre tous les jours, il y a au moins 5 personnes qui meurent dans la rue. C'est juste. Et il n'y a jamais vraiment personne qui en parle, parce que c'est une sorte de secret. Voilà. Invitation to love will return after these messages. On passe à Invitation to Love. Oui, encore une fois. Lucie regarde au poste. On a Emerald, ouais. Emerald, qui est la sœur jumelle donc de Jade, et elle veut coucher avec Jet, qui est donc avec Jade. Jet et Jade, franchement, voilà. Il y a Lucie qui fait un résumé incroyable. Incroyable parce que le shérif lui demande. Il demande alors qu'est-ce qui se passe. Quoi non, il lui dit quoi de neuf ou quelque chose quoi de nouveau. Et elle, ben, elle avait la tête dans Invitation to Love, donc elle lui donne la storyline complète. On apprend qu'Andy et Lucie ont des soucis de couple. Ouais, ça. Elle ne veut plus trop lui parler. Elle s'inquiète quand même pour lui. Ça va, tu t'en es sorti, mais ensuite, mais on n'en parle plus. Docteur Jacobi est là pour. Oui. Je voudrais juste revenir sur un truc. Ce qui est intéressant quand Lucie elle donne la storyline entière de Invitation to Love, c'est que chaque élément sont des trucs qu'on retrouve dans l'épisode qu'on regarde, quoi. Que ce soit l'espèce d'intrigue par rapport à au fait d'hériter d'un business, une sorte de double qui apparaît dans la vie de quelqu'un, etc. Enfin, c'est vraiment Mark Frost qui dit vous avez compris, vous avez compris les parallèles, regardez. Voilà, j'ai trouvé ça juste intéressant. Mais donc oui, Cooper est dans la salle d'interrogation avec Dr Jacobi. Jacobi fait son petit tour de magie, qui est une idée de Rust Humblin, l'acteur. J'aime bien. Il est venu avec ses props. J'aime bien parce qu'il y a une sorte de duel du regard entre Cooper et lui. Cooper qui est à l'autre bout de la table et qui a les mains croisées comme ça et qui dit rien. D'ailleurs, ça fait un très beau fond d'écran. Oui.
Je trouve que c'est, il est très beau ce plan de Yep. The Cooper comme ça au loin. Il efface parce qu'il est le mec qui est vraiment tiré à quatre épingles en costard et tout. Il a juste son café posé sur la table et en face de lui, il y a un mec qui a des lunettes où Ouais. les verres sont pas de la même couleur. Lunettes 3D. Ouais, lunettes 3D, il a son petit, ses props pour faire du close-up magique là où il sort des os de sa bouche. D'ailleurs, Non, enfin. dans The Secret History, si t'as des lunettes 3D comme à l'époque, Ah. les images changent. Oh, d'accord. Ouais. Il faut être Jacobi pour avoir Ouais. l'expérience complète du bouquin, quoi. J'ai jamais eu de. Enfin, j'en ai pas de lunettes 3D comme ça, donc j'ai jamais pu tester par moi-même. Mais... Jacobi peut pas trop parler à cause de la confidentialité de docteur-patient, qu'il utilise un peu quand il veut. Ouais, c'est ça. Le rôle de Jacobi, je trouve qu'il est intéressant parce que c'est celui qui écoute tout Twin Peaks techniquement. C'est vrai. Et il écoute leurs rêves. Oui. Et on sait qu'à Twin Peaks, les rêves, ça a une signification. C'est très important. Et donc c'est un peu le. Il est un peu le garant de tout ça, mais lui, j'ai pas l'impression que qu'il rêve lui-même. Ah, ouais. Bah, peut-être qu'il est lui-même le rêve. Je veux dire, quand tu le vois, le mec est de toutes les couleurs, il sort complètement Ouais, de... voilà, tu Voilà, vois. donc le mec, Il il est... parle d'Hawaï et tout. Ouais, qui prononce Hawaï, Hawaï. qui est odieux. Et ouais, non, j'ai noté que c'était genre Freud à Hawaï, quoi. Genre quand il C'est parle... comme dire, ah, je suis allé à Barcelone. Barcelone. Donc Et à t'as... Ibiza. Vraiment, t'es annulé en tant que personne quand tu commences. Mais oui, et j'ai trouvé un truc intéressant dans cette scène, c'est que la dynamique entre Coupe et Jacobi change totalement. Où au début il est un peu silly, etc. Il fait ses tours de magie alors que Cooper est très je pose les questions, etc. Mais à partir du moment où Jacobi se lève, c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui s'approche de Coupe en lui disant limite je vais t'expliquer comment ça marche ici. Donc il y a vraiment comment dire, ça se renverse quoi, en Ouais. termes de rôle. C'est presque il devient presque le flic quoi. Il essaie, on va dire. Il essaie, ouais. Donc il est fan d'Hawaï. Il parle des plantes qui calment la douleur et qui donnent envie Ouais, d'autre chose. oui. À la fin, il fait même un signe comme ça, un signe hawaïen. Ouais, et puis il dit C'est hang loose aeolus, je crois. J'ai cherché en fait ce dernier mot-là, ça veut dire blanc ou non hawaïen en hawaïen. Donc c'est vraiment genre le mec qui allait une fois à Hawaï et il revient, il utilise les mots. alors que c'est le quinca qui a fait sa Ouais, et puis crise. il fait son Brise de Nice un peu. Ouais, catch you on the flip side un peu quoi. Ouais. Après, il y a des trucs intéressants qu'il dit. J'aime bien quand il dit que son investigation personnelle va durer le reste de sa vie. Oui, et qui se considère comme un raté Ouais. parce qu'il n'a pas réussi à brécher la forteresse de secret qui était Laura. Ouais, et aussi il dit, c'est bien qu'elle prenne de la cocaïne, ça veut dire qu'elle cherchait de l'aide. Qu'elle cherchait, ouais, to medicate. Ouais, voilà. C'est une façon de voir les Alors. choses. Et puis aussi quand il dit qu'elle avait des secrets, et que ses secrets, autour de ses secrets, elle a construit une forteresse. Ouais. Il est bien Jacobi là. Et il est tout de suite plus ou moins, on l'écarte de la liste des suspects maintenant. Ouais, direct, il devient presque un allié, en fait. Ouais, il est plus vraiment dans la liste des suspects, alors que dans les premiers épisodes, c'était lui et Léo, quoi. Donc maintenant, il reste plus vraiment que Léo, quoi. Bah, justement, le seul indice, en fait, qu'il veut laisser faire, c'est... Enfin, laisser donner à... Enfin, donner à Coupe, c'est que, justement, il a su... La soirée, enfin, la nuit où Laura est décédée, il a suivi un homme dont elle lui avait parlé. Qui était en Little Léo Red Red Corvette. Corvette! Voilà. Ok. honnêtement, je l'ai noté. Moi aussi. Et surtout, Très bien. j'imagine Léo avec cette musique, ça me fait encore plus rire. En train de faire la gueule. Ouais, donc il a suivi une petite Red Corvette. Incroyable. Il y a Ouais. Gordon Cole qui appelle. Ah, Gordon. Ça fait vraiment plaisir de. Donc, c'est la première fois Il est pas en full mode Gordon Cole. Non, ouais, j'ai noté que pour ce premier coup de fil, il est. C'est Bah, juste Lynch c'est. qui parle un peu fort, mais c'est Voilà, pas. c'est donc pour ceux qui savent pas, on sait jamais, c'est le personnage joué par David Lynch, en fait, qui est le supérieur de Coupe. Et qui, en fait, bon, on en dira plus sur son personnage au fur et à mesure qu'on le découvrira, mais là, du coup, il vient pour, en fait, donner les résultats d'analyse Il de appelle, on Albert. va dire. Voilà, il appelle. Parce que. Donc. Donc, on avait un peu la même théorie, qui était que, en fait, Miguel Ferrer, il n'était pas dispo quand ils ont tourné. Ouais, l'acteur qui joue
qui jouait Albert. Et donc du coup, Lynch, qui était certainement à New York à ce moment-là, il a fait sa performance par téléphone. Tu crois que s'il l'a fait par téléphone parce qu'il était à New York ? Non, je le vois bien enregistrer ça ouais, tranquillement et envoyer ça à l'équipe en Californie. Mais donc ouais, donc Gordon Cole, c'est le supérieur de coupe. Si jamais le nom du personnage vient du film Sunset Boulevard de Billy Wilder de 1950. Bon, c'est vraiment un personnage hyper anecdotique. L'acteur est même pas crédité en fait. Okay. Donc c'est vraiment un personnage qui est mentionné. Je sais même plus s'il apparaît vraiment beaucoup. Et pour vraiment entrer dans l'anecdote, il a été nommé comme ça parce que dans les environs d'Hollywood, il y a une rue qui s'appelle la rue Gordon, qui coupe la rue qui s'appelle Cole. Et donc du coup, ils ont fait allez Gordon Cole. Et on sait à quel point Lynch il aime bien Hollywood et tout ça. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait dit bon ben je joue dans cet épisode, je m'appelle Gordon Cole, allez c'est parti. Il y a la rue d'Odessa pas loin, on y reviendra dans la saison. On y reviendra. Donc voilà, il appelle Coupe pour lui donner les petits résultats de ce que Albert a trouvé et aussi pour lui dire que Albert il veut vraiment que Truman il se fasse engueuler quoi, qu'il perde son badge. Alors elle a été mordue par un oiseau. Merde, j'espère que c'est pas le. J'espère ouais, ce serait triste. Imagine, il s'en débarrasse, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'arrête. Hein. J'imagine pas l'oiseau se faire MeToo comme ça. Je peux pas imaginer. On peut pas cancel l'oiseau. Cooper reconnaît tout de suite Bob en voyant le dessin. Ah oui. Ouais. Et Hawk arrive et il a enfin trouvé le manchot. Mm. Donc, parce qu'il le cherchait dans l'épisode précédent, je crois qu'on en a même pas parlé. Et Hawk est un tracker. Donc, oui. Il est le cliché de. Ouais, et puis plusieurs fois dans cet épisode. Ouais. Bon cliché du natif américain. Ouais. Mais bon. L'acteur qui joue Hawk, il a été connu pour avoir joué le rôle de l'Indien dans The Lone Ranger, mm-hmm. le film adapté de la série. Ok. Et ils ont fait un film avec Johnny Depp il n'y a pas très très longtemps. Ouais. Qui j'ai pas vu, beaucoup de gens ont détesté et Tarantino a mis dans son top 10 de l'année. Donc, on va savoir ce que ça veut dire. Faudrait que je le regarde juste par pure curiosité, tu vois. Et donc il s'est fait connaître comme ça et ensuite il s'est retrouvé sur. D'accord. Dans le rôle de Tarantino. Ah, je savais pas. Nous allons dans un motel. Mm-hmm. Où on y trouve plusieurs personnages pour différentes subplots. Ouais. Ça commence à se croiser beaucoup. Yep. Dans cet épisode, ça se connecte, ça se croise. Ouais, ça s'accélère un peu. Ouais. On a Josie qui espionne Catherine et qui prend des photos. Mm, elle prend sa revanche de l'épisode dernier. Voilà. Tiens, je voulais parler de Catherine. Ouais. Alors c'est l'actrice Piper Laurie mm-hmm. qui a quand même été nommée 3 fois aux Oscars. C'est pas rien. Dans les années 60, dans les années 70 et dans les années 80. Ah ouais, sur 3 décennies différentes. Sur 3 décennies, elle a réussi à se trouver un film et tout, voilà. Et au Golden Globes, elle a gagné un Golden Globes pour Twin Peaks. Ah, d'accord. Ouais. Et je crois que c'était avec peut-être Kyle. Ok. Les seuls acteurs à avoir gagné. C'était une star, quoi. Ouais, c'était. C'était le seul grand nom un peu de la série. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé d'elle, à part pour dire qu'on aimait bien, parce qu'elle joue un peu la méchante. Oui, c'est vraiment... Elle est parfaite dans son rôle de méchante qu'on aime détester, ouais. Qui est machiavélique, qui rigole de ses plans diaboliques. Et c'est pas fini, en plus. Ah ouais, non. Et puis même dans cet épisode, elle est à fond là-dessus aussi. Elle fait un massage à Ben. Mm-hmm. Ils sont en train de boire du vin blanc au lit. En parlant de leur plan. Ouais, voilà. Donc ils veulent faire brûler la Syrie. C'est ça. Et pendant qu'ils parlent, ils sont éclairés comme s'il y avait un feu dans la pièce. Il y a une sorte de lumière orange et ça bouge un peu. Ah. Et ça revient à nouveau quand Ben est en train de faire du vélo devant la cheminée. Il y a des flammes sur son visage, tu vois. Donc, intéressant. Ah, j'avais même pas fait attention à la symbolique du truc. Le feu et ces deux personnages sont vraiment connectés quoi, dans cet épisode. Catherine trouve un jeton du One-Eyed Jax. Mm-hmm. Donc ça connecte encore un peu les histoires. Ouais. Il y a Coop, Harry... Et Andy qui arrive au motel au même moment pour trouver le manchot. Voilà. Il y a Andy qui fait tomber son... Qui fait tomber son flingue, ouais. Donc, son flingue. Andy, dans les premières saisons, il peut être un peu relou quand même par moment, on peut le dire. Il y a Michel qui ronfle. Le point Michel qui ronfle. Michel, c'est mon chat. C'est pas... Il n'y a pas un mec dans le canapé en train de ronfler. Quelque part un peu, mais... Il prend de la place.
Donc oui, dans les premières saisons, Andy, il est... Il est un peu... C'est un peu le simplet plein de bonnes intentions. Ouais, il me fait penser à... Merde, comment il s'appelle dans Scooby-Doo? Ah, ouais. Sammy. Sammy, mais en sobre, quoi. Ouais, pas en mode hippie ouais, des années 60. Juste en, ouais. Non, mais il a un côté Sammy, je trouve. Ouais, bah il est grand. Ouais, et puis même sa façon de parler et tout, comme ça. Ouais, mais il est tout doux, il est tout... Ouais. Il est gentil, il est juste... il fait de son mieux. Non, et puis mais... il est peureux aussi. Donc, il est peureux, ouais. Il est... Ouais, il est très... Normalement, tu beaucoup fais un truc comme ça, tu fais tomber ton flingue, il tire... normalement, on t'enlève ton badge pendant 2 semaines, on fait une enquête sur toi. De nos jours, en tout cas, il y a une enquête, il y a... Mais là, c'est Andy, donc on lui prescrit de s'entraîner au tir. Il met une petite tape sur l'épaule. Il fait, c'est pas grave. Donc, il défonce la porte. Il défonce la porte. Et il est là, donc le manchot, avec une serviette autour de la taille. Pour qu'ils lui disent, levez les bras. Il n'en lève qu'un. Et donc, c'est bien le mec du rêve. C'est le même gars. Ouais. Il est joué par Al Strobel, qui a perdu son bras dans un accident de voiture à l'adolescence. Et en gros, dans le pilote, on le voyait dans l'ascenseur. Mm-hmm. Lynch a tellement bien aimé qu'il l'a mis dans le pilote international. C'est ça où il fait son gros speech. Voilà, et ils ont dit, même si on n'utilise pas la fin du pilote international, on va utiliser ce mec. Mm-hmm. Donc voilà comment il se retrouve dans la série. Le fait qu'il ait qu'un bras et le truc qui a attiré Lynch et Frost, c'est la série Le Fugitif. D'accord. La série des années 60. Je parle pas du film avec Harrison Ford, bien que le film d'Harrison Ford a aussi un manchot. Ouais. En gros, le personnage principal, il s'appelle Richard Kimball, si je me rappelle bien, dans le film en tout cas. Ok. Il est accusé du meurtre de sa femme qu'il n'a pas commis. D'accord. Et il sait que c'est un manchot qui l'a fait. Ok. Et pendant tout le film, il y a course-poursuite, etc., etc., pour essayer de le retrouver. D'accord. Enfin, pendant toute la série aussi. Ok. Comme ouais, du coup, il apparaissait dans le rêve de coupe, hein, si je me trompe pas. Mm-hmm. Et du coup, là, on se retrouve face à un personnage qui est en fait, c'est la même personne, mais il est complètement différent. Il a une autre voix. Il a une autre voix. Du coup, on lui demande s'il avait un tatouage sur son bras qu'il a perdu. Et oui. Mais c'est maman. Il y avait juste marqué maman. Et du coup, je me disais qu'on pouvait en profiter pour faire un petit point occulte. Ouais. Sur tout le, ce que c'était de... Je voulais juste dire qu'il m'a fait penser à Arrested Development. Tu sais, le mec qui perd son bras et qui dit « And that's why you always leave a note ». Voilà, j'ai pensé à ça tout de suite. Moi, j'ai un petit point mythologie nordique, si ça t'intéresse. Ah bah, commençons. Alors le dieu Fyr, ou Fire, je sais pas, il a sacrifié son bras au loup Fenrir pour que les dieux puissent le vaincre. D'accord. C'est un peu le seul truc que j'ai trouvé au niveau mythologique. Voilà. Ouais, en faisant des recherches aussi. On sera un aussi. Peu moins con ce soir en se coucher. C'est ça. Ouais, donc vas-y avec ton point occulte. Oui, bah c'est... Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment des figures d'amputés, mais c'est... je voulais justement chercher ce qui était... Par exemple, la marque du diable, ou parce que c'est voilà, c'est ce qui est dit dans le rêve de coupe et tout ça. C'est pas un pentacle normalement. Alors ça dépend des représentations, mais en fait voilà dans le rêve, si je me trompe pas, il lui explique que il avait été touché par The Devilish One et que du coup ben il a préféré ce ciel en bras quand il a vu Dieu plutôt que de que de poursuivre en fait la vie de crime et la vie du mal en fait. Et du coup ouais, je me suis intéressé un petit peu à justement la marque de la bête, et dans la Bible c'est une marque qui est apposée sur le front ou sur la main droite. Donc on n'y est pas exactement, mais l'idée de la marque du diable est quelque chose qui existe dans la Bible. Mais un autre truc que je trouvais intéressant, c'est... Alors là, on quitte la Bible complètement et on est dans l'ésotérisme occidental. Et c'est l'idée de left-hand path et right-hand path, qui est un peu traduit littéralement le chemin de la main gauche ou du bras gauche et le chemin du bras droit. Où en fait, il y en a un, donc le left-hand path qui plutôt est celui de la magie noire et du mal, alors que l'autre de la main droite, donc du right, de ce qui est bon, c'est la magie blanche et voilà. Donc on est sur une dichotomie très très Twin Peaks en fait, un truc manichéen entre le bien et le mal. Do the right thing. Exactement aussi. Yep. Love and hate. Love and hate. La nuit du chasseur. Do the right thing.
Et du coup, je trouvais intéressant donc ce côté bien et mal, et que du coup, Mike, pour se débarrasser de l'emprise de la bête et pour pouvoir continuer dans son chemin du bien, il a préféré carrément se scier un bras. Et puisque l'autre fois on parlait de Crowley, qui est un occultiste, lui aussi il a utilisé cette idée-là de Left-Hand Path dans ses écrits. Et un autre occultiste dont on n'a pas encore parlé, qui est Anton LaVey, qui est lui, c'est plutôt les années 50, 60, le satanisme hollywoodien, qui en fait était très sur un peu un truc de représentation, et donc c'était très coloré, tout ça faisait pas de mal à grand monde, hein. C'était juste histoire d'être une réponse au puritanisme de ces époques-là, voilà. Et donc lui aussi, il utilisait cette idée en fait de left hand path. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir se dire peut-être que Frost, il a pu apprécier cette utilisation-là pour Mike. Voilà, fin du point occulte. Moi, j'ai un petit point enculeur de canard. C'est pas une connerie. Dans le premier épisode de Dumbland. Oui, alors c'est quoi Dumbland? Alors, Dumbland, c'est un dessin animé que David Lynch a fait dans les débuts 2000 et qu'il mettait en ligne sur son site internet. Ouais, qui fait très. Alors, c'en est pas, mais ça fait très Adult Swim, je trouve. C'est vraiment. C'est genre vraiment. C'est très pisse-crotte, c'est très. Ouais, genre c'est offensant Ouais, volontairement, voilà. c'est. Ouais. Et dedans, il y a un personnage de manchot et qui aime bien enculer des canards. Donc voilà, j'étais obligé d'en parler. Écoute, fin du point. Retournons à Philippe Gérard. Oui, je t'en prie, je t'en supplie. Il nous parle de son meilleur ami Bob Lydecker, qui est dans le coma depuis la mort de Laura. À peu près, Intéressant. entre ces 3 jours, là ça fait 4 jours, je crois, donc c'est ça. Ouais. Le lendemain de la mort de Laura, il s'est retrouvé dans le coma, Bob. Son nom, Lydecker, c'est le méchant du film Laura d'Otto Preminger. Ah, encore. Donc on y revient. On y Et son revient. prénom à ce méchant, c'est Waldo. Hey, Donc Waldo qui est dans voilà. le même Donc épisode. voilà, il y a l'oiseau Waldo et Bob Lydecker Qui sont deux figures qui ont peut-être attaqué Laura Palmer. qui ont peut-être attaqué Laura. Philippe vend des chaussures, donc comme Al Bundy. Tu te rappelles d'Al Bundy? Non, attends, j'ai un trou sur T'es Al marié Bundy. deux enfants? Ah, j'ai Toi, pas. t'étais trop jeune. Hein. Ouais, j'ai pas. Il vendait des chaussures. Et chou blanc, donc. Hein. Chou blanc. J'avais envie de dire chou Chou blanc. blanc, Sofiane. Ouais. Mais c'est Très bien. vrai, en gros, ils sont arrivés, ils Ouais. pensaient tomber sur Mike et ils tombent juste sur le sosie de Mike. Et donc voilà, un peu décevant. Bah, ça les met sur la piste du vétérinaire, du coup, puisque De Bob est l'oiseau. vétérinaire, et donc du coup, ça rejoint l'oiseau de tout à l'heure, donc ils y sont pas allés pour rien, quoi. Mais c'est une énigme, du coup. Oh, qu'a vu Josie Packard espionner au passage. Yep, il dit ça à Truman. Ouais. It said, Mom! À l'école, enfin au lycée, il y a Audrey qui fume dans les toilettes, parce que voilà, c'est Audrey, quoi. Yes. Et elle a un rêve, c'est de partir avec l'agent Cooper, de résoudre des enquêtes avec lui, d'essayer de trouver où est Carmen Sandiego. Je regarderai cette série. Et en gros, la seule raison, donc, là, elle Ouais, confirme vraiment à voix haute que la seule raison pour laquelle elle veut elle est résoudre autant l'enquête, investie. c'est pour se C'est pour faire Cooper. vivre une vie Parce que tu d'aventure avec Cooper. avais des doutes encore dans les premiers Non, bah épisodes. voilà, Bon, hein, c'est là, confirmé. c'est bon. Et du coup, ouais, elle demande à Donna de l'aider. Je me suis fait la remarque que c'est un personnage particulier quand même. Elle a pas l'air d'avoir tellement d'amis en fait. Bah non, Elle a l'air c'est d'être la très fille de seule. riche. Ouais. Ouais. Parce qu'on pourrait penser que, vu comme elle est, elle pourrait être entourée de. Tu sais, c'est les faire valoir Ouais. des gens. Les Qui pourrait Mean Girls, gâter. quoi. Voilà, c'est ça exactement, Mean Girls. Mais en fait, non, elle est juste très seule et c'est pour ça qu'elle parle à Donna alors qu'elles ont l'air d'être vraiment pas amies. Ouais, Donna s'en fout complètement de Ah, sa vie. Donna, Jusqu'à ce elle qu'elle s'en lui fout. dise j'ai des informations, là, elle s'intéresse. D'ailleurs, c'est impressionnant que Audrey, elle est au même niveau que Cooper en fait en Ouais, termes elle d'infos. sait pour Bobby et Laura. Elle sait pour James aussi. Yep. Elle sait pour la cocaïne. Oui. Enfin, Bobby et Laura, tout le monde savait, c'est n'importe quoi ce que je dis. C'est plutôt James et Laura en Oui, c'est fait. ça, c'est ça. Ouais. Que Donna confirme, du coup. Et donc, on apprend que elle écoute Jacoby parler de Laura à Johnny presque tous les jours quand Jacoby vient. Et donc, ils ont des informations
Et là, elle lui parle du One Eye Jack. Donna lui dit c'est pas un film de Marlon Brando. Enfin, avec Marlon Brando. Et oui, donc c'est un western de 1961. On en a déjà parlé, je crois. Non, pas encore. On attendait justement que... On avait raté l'occasion. Mais de toute façon, là, il est littéralement mentionné. Donc c'est un film de et avec Marlon Brando. Je crois que c'est le seul film que Marlon Brando a réalisé. Voilà, pour le trivia. Ça doit être quelque chose. Ça doit être génial. Je pense que ça peut être génial. C'est que des scènes avec lui. Qui mange les cacahuètes. Donc, première mention de Marlon Brando dans Twin Peaks. Il est possible que ça soit pas la dernière. Donc elle lui raconte tout ce qu'il y a autour du One Eye Jax, que c'est sûrement un truc pour cacher des prostituées, et qu'elle pense que Laura y travaille. Ouais. Un truc que je remarque avec Audrey, c'est qu'elle aime le risque. C'est vrai. Elle s'ennuie, c'est une aventurière, elle aime le risque. Et elle aime prendre des risques. Ouais. Et c'est peut-être justement parce que, comme on parlait plus tôt dans la saison de l'inconscience de Bobby, c'est peut-être un autre type d'inconscience où en fait, elle a été très protégée toute sa vie. Parce qu'elle a des parents riches, etc. Et donc du coup, elle se rend pas vraiment compte des risques qu'elle prend. Et je pense que c'est surtout ça en fait. Et là, du coup, elle se jette complètement dans le vide pour Cooper, parce que là, elle a compris en fait tout l'histoire du comptoir parfum de son père, et elle comprend un peu le lien avec le One Eye Jack. Et en tout cas, elle veut repartir sur les traces de Laura, et elle fonce tête baissée. Ça doit être difficile d'apprendre ce genre de choses. Ouais, mais ouais, donc. De manière complètement inconsciente, elle est partie pour faire son enquête à elle, et elle essaye d'enlister un peu Donna pour lui filer un coup de main. Donc là, on va en prison où on rencontre Hank, qui est le mari de Norma, dont on a entendu parler pas mal de fois, et qui était donc en prison pour avoir peut-être écrasé quelqu'un. Enfin, c'est pas peut-être, il a écrasé quelqu'un visiblement, mais il dit que ouais, c'était pas de sa faute. Ouais, c'est le destin. Voilà, et... c'est juste qu'il avait pas de chance. Quoi. Et du coup, ouais, il promet de changer, mais... Mais il y a une musique menaçante pendant tout le temps qu'il parle. C'est genre très évident. Que... L'épisode te met tous les red flags du monde pour que tu comprennes. Quand tu compares à Big Ed... Voilà, ah ouais, non mais carrément, il n'y a pas photo. Je pense qu'il s'en sort mieux, Big Ed. Et Hank, il joue avec un domino comme tout bon psychopathe qui se respecte, tu vois, il est obligé de... Ouais. Soit ils jouent toujours avec un truc, ils ont toujours un petit gimmick, un petit truc... Qui leur présente. Voilà, ouais. Bah lui, c'est les dominos. Si c'était un méchant dans Batman, il s'appellerait Domino. Oui, qui est déjà un personnage dans Batman, qui est... Ah non, c'est un personnage dans Marvel, pardon. On va dans un convenience store où il y a une peinture fluo qui clash bien avec les boiseries. Ça, j'aime beaucoup. Parce que là, t'as un peu plus l'impression que t'es dans notre époque. Enfin, en tout cas, dans les années 90. Tu vois, le côté fluo d'un coup avec les boiseries, ça fait vraiment pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Et en gros, c'est parce qu'ils vont voir le veto. C'est ça. Et juste à côté, donc il y a le convenience store. Ils se garent au convenience store. Il y a Hawk qui fait un high five à un motard. J'ai noté ça. Ah, j'ai pas vu. C'est dans le fond de l'image, il fait ça. J'ai fait OK, très bien. Il a sa petite. Ok, peut-être un motard. Ouais. Bah, de toute façon, on sait qu'il est Bookhouse Boys. De toute façon. Ok, quand même cool. Hein. Ah, il est cool. Ah, ouais. Il est cool. Mais oui, c'est un Bookhouse. Si en plus il fait de la moto. Ah, imagine. Il va être. Il risque de détrôner. Non, dis pas ça. Je peux pas te laisser dire ça. Donc ils vont chez le veto. Il y a un lama. un lama. Est-ce que bon, j'ai pas envie que ça devienne un peu un, je sais pas si c'est un, mais est-ce que tu penses que c'est l'apport de Lynch ou est-ce que c'est juste Mark Frost qui se tape un délire? Ah, c'est Mark Frost. C'est Mark Frost. Ou les scénaristes de l'épisode en particulier. Ouais. Ils essaient de recréer le côté Lynch. Donc pourquoi pas mettre un lama? Cette scène est très Lynch. Hein. Ouais. Il y a des fauteuils, il y a des gens assis et il y a un lama en plein milieu de la pièce. Donc, ouais. Ah, peut-être que c'est encore Lynch qui bosse dessus aussi. Hein. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on regarde la série, qu'on fait des recherches, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de choses qu'on attribue à Lynch. Lynch, il bosse quand il fait ses épisodes qu'il réalise. Ouais. C'est là, on et ils ont un impact énorme sur le reste des épisodes d'après. Ouais, ouais. C'est les épisodes les plus importants au final de la série. Quoi. J'aime bien le petit moment donc, entre le lama et Coop. Ah. Et le lama qui s'arrête, qui le regarde et qui repart. Qui lui fait un peu une double take. Et.
Et est-ce que t'as vu la tête de Truman pendant... Ah non, j'étais Il a trop. envie de se marrer, mais tu sens, il y a presque une larme qui coule. C'est vrai. Ouais. Non, moi, Regardez la trop... tête de Truman sur cette scène, vous allez voir, c'est genre, il baisse la tête, il veut pas qu'on le regarde. D'accord. Ah non, j'étais trop. Parce que, ouais, moi, j'étais vraiment absorbé par le regard entrecoupé le lama qui est Relationship Goals en, en une seconde. On a oublié de dire qu'il a envoyé Andy pour récupérer des sortes de lianes, des sortes de liens Ah oui, parce que dans le ouais, c'est un des convenience trucs store. que Gordon lui avait dit. Il lui a donné des Voilà. détails sur comment Laura était attachée. Puis il annonce comme ça que l'oiseau qui a attaqué Laura, c'est un client du veto. Yep. Et voilà. On ne sait pas d'où ça sort, ni rien. Il le sent bien. Parce qu'il y a un convenience store. Ouais. Et du coup, il repart avec des tonnes de fiches. On va dans la maison non terminée de ce connard de Léo et Shelley. Il y avait quelqu'un qui me demandait sur Twitter il y a quelques semaines pourquoi, à notre avis, la maison de Léo n'était pas finie. C'est hyper intéressant en termes de Et j'avais eu une symbolique. bonne réponse et j'ai oublié ce que j'ai dit. Donc j'ai essayé de la retrouver dans ma tête là maintenant. Bah, pour moi, c'est une. C'est un couple. Non, déjà, ils n'ont pas les moyens, etc. Tu vois, ils veulent faire les choses. T'as l'impression qu'ils veulent tout construire. Aussi que Léo, il prend son temps, très certainement. Tu vois qu'en gros la maison devrait être finie depuis longtemps, mais que Léo il est jamais là, il fait Ok, rien, ouais. il vient, il la tape, il repart. Tu vois jamais travailler sur la maison Non, lui au c'est vrai. final. Et aussi ça fait un peu couple qui vient de commencer et qui est en Ouais. construction. Oui. Bon, en l'occurrence ça c'est plus de la déconstruction C'est qu'ils font, ça, c'est ça. mais C'est ouais, j'allais dire la même chose en fait, c'est surtout ça pour moi, c'est ouais. vraiment une métaphore de leur couple où en fait d'ailleurs c'est quand la fameuse scène où il la frappait avec la savonnette quand elle se réfugiait dans le plastique justement, c'était dans un coin de la maison qui n'était pas Ouais. terminé. Et donc ouais, donc il Non, y a mais tout vraiment là, un on voit tous truc. les coins de la maison et presque rien n'est terminé au final. Peut-être quelques meubles. C'est vrai, ils ont Et on voit le que les bar de la meubles cuisine. sont faits par quelqu'un que c'est que c'est pas un truc. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Bobby et Shelley se font plaisir sur la table. Alors ouais, mais Bobby, il a la tête à autre chose. Il a la tête à autre chose parce qu'il est toujours jaloux de James. Oui, mais alors, j'aimerais juste, est-ce qu'on peut parler du fait que le mec, il se plaint à sa meuf que son Oui, autre meuf oui, assassinée, elle voyait un autre mec. oui. Pendant que sa meuf, elle a clairement des idées derrière la Et tête. il voyait déjà Shelley quand il était avec Laura. Bobby, le sens des priorités. Ah, c'est un petit con, un peu, Bobby. C'est un petit coup. Il faut qu'on lui tire l'oreille, tu vois. Et donc Bobby raconte que Léo et Jacques vendent de la drogue à l'école et sûrement à Laura ils en vendaient. Donc Shelley décide de lui montrer la chemise, qui est là depuis le premier épisode, la chemise, hein. Deuxième Ouais, en tout cas. quasiment. Et il la prend, et il se barre avec. Et c'est là qu'on voit que elle est gentille, hein, Shelley, mais elle n'est pas très très intelligente, quoi. Elle est là genre, qu'est-ce que tu vas faire avec la Mais chemise? oui, genre, moi j'ai vraiment noté. Le mec, il se barre avec la chemise en disant « Je vais faire disparaître Léo pour toujours. » Tu te dis, on Mais sait oui. tous ce qu'il va faire avec la chemise, quoi. C'est quand même fou qu'elle l'ait mise de côté, mais qu'elle ait jamais pensé à l'incriminer avec, quoi. Ouais. Pour moi, c'était évident que c'était Non, mais dans j'ai ses jamais plans. pensé que Shelley était quelqu'un de bête ou quoi que ce soit. Et là, dans cet épisode, je fais « Ah, quand même. Quand même. Ah, je sais pas, C'est lui, il se barre genre « Je vais faire disparaître Léo toujours. Ok, bébé. » Non, d'abord, elle le rappelle à l'ordre en lui montrant un flingue et. Oui, après ils couchent ensemble. Bobby. One woman can make you fly like an eagle. Another can give you the strength of a lion. But only one in the cycle of life can fill your heart with wonder and the wisdom that you have known a singular joy. I wrote that for my girlfriend. On va au shérif département, où ils doivent rechercher tous les dossiers du veto pour trouver qui est l'oiseau. Ouais. Donc c'est à Lucy de s'en charger. Encore une fois, on voit que Lucy et Andy, Trouble Ouais. in Paradise. Voilà, le snob. Ça va pas très bien. Et ils vont tous tirer sur des cibles pour histoire d'entraîner Andy après ce qu'il a fait. Je pense que c'est pour qu'ils soient pas tout seuls à tirer. Ouais, Ils et font ça en pour groupe, se la quoi. péter aussi. Ouais. Aussi, c'est oui, carrément. Tu sais, comparer un peu, regarde. Bon, on peut tous dire que Cooper a gagné. Ouais, carrément. Il en a mis. C'est quoi? Il a tiré 8 balles et on voit 4 Non, trous. 4. Ah, Ouais. Il a ouais. tiré 8 balles dans les narines, et je sais plus, les yeux Yes, et les et ouais. narines, je crois. Les yeux et les narines. Cooper a remarqué tout de suite que Lucy et Andy. Il a un côté Cooper, hein, Cooper.
Bah, encore une fois, hein, le phéromone est... Andy n'est pas encore arrivé, il est là, hey, qu'est-ce qui se passe entre Andy et Lucy? Et j'étais là, je fais, oh, quand même. Mais en même temps, là, c'est un peu la règle des trois, tu vois. Il avait vu pour le shérif, il avait vu pour Ed. Là, cette fois-ci, c'est la seule fois où il remarque un truc que tout le monde avait remarqué. Ouais. Même Truman, il était là, genre, ah bah oui, non, mais moi aussi, j'ai vu, hein, de toute façon. On continue d'apprendre qu'en plus d'être un tracker, Hawk, il sait très bien tirer. Oui. Alors que Andy... what we need is practice and lots of it. J'aime bien parce que Cooper il a une sorte de sourire, il regarde la cible et il regarde les résultats d'Andy et il fait ok. Ouais, il dit rien de négatif, il dit juste eh ben on va s'entraîner, c'est pas grave. Ok, mec, la clan. On le dit pas trop, hein, finalement, parce que c'est tellement. Ouais, c'est évident. On l'a tous dit plein de fois, mais Cal McLachlan il est bon. Parfait. Il joue le mec quelquefois un peu strict. Tu vois, ouais. Il y a des moments où dans les épisodes là, il est plus strict, il est plus vraiment agent du FBI. Juste après, c'est le mec le plus sympa du monde. Quoi. Bah, en fait, j'ai l'impression que même s'il y a beaucoup de très bons acteurs et il y en a plusieurs qui sont vraiment parfaits, la plupart, en tout cas pour moi, c'est vraiment par exemple Bobby qui joue pas nécessairement très bien, mais ils ont des scènes où ils brillent. Ouais. Et du coup, on remarque quasiment presque plus la justesse constante de Kyle MacLachlan en Cooper. Quoi. Il est vraiment, tout le temps, il est parfait. Quoi. Et du coup, Cooper, dans cette scène, il s'ouvre un petit peu. Il s'ouvre un petit peu lorsque Truman lui demande s'il a déjà été marié. Il laisse juste quelques phrases en disant qu'il a connu, il a eu son cœur brisé. Quoi. Mmh. Et ça rajoute un petit peu au personnage. Il s'est attaché à quelqu'un, voilà. Qui lui a brisé le cœur. Mais il n'a pas l'air de... On n'a pas vraiment de détails. Et après, il se met à tirer. Ouais. Je sens qu'il en a quand même... Il en a sur la patate. Quoi. Ouais. C'est la première fois qu'on le voit un petit peu émotif comme ça, qui montre autre chose que le mec parfait, tu vois. C'est vrai. Et j'ai noté un truc. Alors, c'est peut-être juste un détail. C'est un détail. Mais quand il fait justement quand il sort ces phrases-là, et qu'il dit que donc, du coup, il a eu son cœur brisé... Sa voix, elle continue comme s'il allait dire quelque chose. Donc je sais pas s'ils ont viré une phrase au montage. Ah, peut-être. Ou si, en fait, ça prouve que c'est quelque chose qui n'est pas résolu et c'est pour ça qu'il se met à tirer. Je l'appelle Frost. Allô, Marc. Un truc que Cooper dit, il parle des femmes. Et il dit qu'elles ne sont pas faites du même plan que les hommes. Ouais. Ça, c'est une pensée purement, purement, purement années 80-90. Yes. Tu sais, avec les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Vénus. Ah. Et donc, faut accepter nos différences et accepter qu'on est comme ça et comme ça, que les hommes sont de telle façon et que les femmes sont d'une telle façon. On est tellement passé au-delà de ça maintenant. Ouais. Et ça fait bizarre quoi, de le réentendre. Tu sais, la première fois que j'ai entendu ça, c'était il y a une dizaine d'années quand j'ai regardé Twin Peaks la première fois, ça m'a rien fait, j'imagine. Tu vois, j'ai pas levé un sourcil ou quoi que ce soit. Et maintenant, de nos jours, je l'écoute. Alors, maintenant, je fais du tout. Ouais, ouais, ouais. Ok, Twin Peaks. Mais même toute la scène, c'est vraiment une scène qui pourrait s'appeler Ah, les femmes, hein, ah là là, on les comprend. Ouais, ils ont un côté bro aussi, tous les mecs. Entre... Ouais, ouais, ils sont entre couilles. Ouais. Cooper est donc le meilleur tireur de la galaxie. Ouais. Et il dit, we're gonna need some more coffee. Yep. Il y a Hawk qui fait sa longue tirade. Ah oui, j'ai oublié. Qui l'a écrite pour sa... Il a un speech sur l'amour et tout. Ouais, mais qui est très... réplique de natif américain écrit par un blanc, quoi. Ouais, il parle de d'aigle. Ouais, et il parle de lion, alors qu'en Amérique, il va falloir les trouver, les lions, hein, clairement. Mais bon, après, c'est de la poésie que lui, il a écrit, donc c'est pas lié à ses racines ni rien. J'aime bien la scène quand même, parce que tu t'attends pas Hawk. Hawk, pas grand chose. Il parle pas beaucoup. Là, il parle d'amour. Ouais. Donc le truc dont la plupart du temps, les hommes parlent le moins. Dans Twin Peaks, en tout cas. Ouais, même en général, les hommes, c'est le truc où ils vont éviter d'en parler, tu vois, et c'est un truc... Et ouais, Hawk, lui, d'un seul coup, il commence à faire une tirade sur l'amour, et il dit, it's for my girlfriend. Ouais. Et ensuite, il se vante du fait qu'elle Parce a... Parce que ça me fait un PhD. Elle a un PhD d'une grande école et tout, et... Ouais. C'est une petite scène sympa. Juste pour se la péter devant Cooper. Je crois qu'il aime bien impressionner Cooper aussi, c'est genre... Ouais, tu penses que... Oh, ils sont tous là un petit peu à voir ils essaient ce qu'ils aiment trop. Et... Bah, franchement, dans cet épisode, Hawk, s'il y en a un dans l'équipe, en dehors de Cooper, que je devrais garder, ouais. Avec moi, si j'avais besoin de faire une enquête, carrément. C'est Hawk. Carrément. C'est le Aragorn. Et le point Tolkien. Allez, Tolkien. Ouais.
On va au Double R, où Norma et Shelley se serrent les coudes. Là, c'est l'instant entre femmes, cette fois. Tu vois, il y a eu l'instant, sauf que ça passe pas le Bechdel test, parce qu'elle parle que de mecs. C'est vrai. C'est vrai. Et j'aime bien ce que Shelley dit sur Léo, c'est qu'il veut une femme de ménage qu'il a pas à payer. Mm-hmm. J'ai quand même noté un truc, c'est que Shelley a dit qu'au début, Léo, il était bien. Il faisait des cadeaux. He was so great at first. This flashy guy in his hot car. Et je suis désolé, mais à quel moment Léo il fait envie, quoi? À quoi il ressemblait pour que quand il avait ses cheveux bouclés, enfin je sais pas, depuis qu'on le voit là, il y a pas une seule seconde où il pourrait un avoir du charisme et deux être sympathique. Donc Shelley, quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est que l'acteur qui joue Léo, qui s'appelle Eric Darey, mm-hmm, un truc comme ça, c'est le fils d'Aldo Rey. Ça te dit quelque chose, Aldo Rey? Non. Aldo Rain. Inglourious Basterds. Oh, ok. Voilà, et c'était un acteur, Aldo Rey. D'accord. Qui a inspiré Tarantino, qui a inspiré Lynch, etc. Et donc, lui, il s'est retrouvé, et parfois, il a joué pour Lynch. Ok. Mais il s'est retrouvé dans des trucs techniques, à bosser sur les films de Lynch, comme Lost Highway. Et je crois... Je sais plus c'est quoi le deuxième. C'est L'heure et Lula. D'accord. Il a bossé sur des trucs techniques, c'est-à-dire pas en tant qu'acteur. Ok. Donc il est quand même encore lié à tout ça. D'accord. Je ne savais pas. C'est marrant parce que Norma, dans cette scène en tout cas, est souvent en général en fait. Et c'est une figure hyper rassurante et maternelle, comme Big Ed est une figure rassurante et paternelle dans Twin Peaks. Donc qu'est-ce qu'ils font à ne pas être ensemble, bordel? Il y a James qui arrive pour utiliser le téléphone payant. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, un téléphone payant, c'est un truc où tu mets des pièces dedans. Ensuite, tu appuyais sur des boutons, et là, ça permettait de téléphoner une ligne fixe. Alors, parce qu'il n'y avait pas de dans téléphone. La maison, on ne pouvait pas sortir avec nos téléphones à l'époque, sauf si tu avais une sorte de grosse boîte que tu mettais dans ta voiture, et tu avais l'air un peu con, tu avais l'air d'un connard comme ça. Ouais, donc James arrive. Il y a Doc Hayward qui fait le clown derrière, parce qu'il appelle Donna James, et il y a Doc Hayward qui fait le clown. Ce bon vieux Doc, c'est mieux. Je préfère le voir comme ça que tu le voir... Tu es énervé contre Albert. Ouais, c'est vrai. C'est un amour... Et là, il y a James qui voit Maddie. Yes, qui vient chercher de la nourriture pour Liane et Sarah. Parlons de Maddie. Maddie, ouais. Madeline. Maddie qui est un peu une version non corrompue de Laura, on peut le dire. Elle est... Ouais. Ce qu'on en sait, c'est que c'est une fille bien, parfaite, voilà, et qu'elle a pas de secret comme... C'est ça. Ouais, elle rappelle à tout le monde ce qui aurait pu être, en fait. Mm-hmm. Dès qu'elle arrive, c'est genre un peu... Ah, ce que Laura aurait pu être si elle n'avait pas eu tous ces problèmes. Et je trouve que c'est un rôle un peu difficile parce qu'elle, elle n'a pas vraiment de développement particulier autre qu'elle est là pour faire réagir les personnages, ils la voient et elle est là, ah, tu ressembles à Laura. Et c'est un peu ça, même un peu par la suite, je crois me savoir que ça continue un peu comme ça. Je trouve que c'est un rôle un peu traître. Ouais. Maddie. Ouais, c'est presque comme si Mark Frost il voulait utiliser ce trope en fait de soap opera avec le double, mais qu'en réalité il est un peu tombé en panne et que du coup il l'a pas utilisé comme il aurait pu. Bon, on verra par la suite ce que ça va donner. Mais je crois que c'est aussi une idée de Lynch. Bah du coup on verra par la suite comment ça. Je crois que c'est pas que Frost. Comment ça évolue, mais en tout cas ouais dans cet épisode. Pour l'instant elle est là pour que les gens puissent parler de Laura et que. On apprend que Maddie vit à Missoula. Mm-hmm. Qui est la ville de naissance de David Lynch. Donc ils ont mis un petit clin d'œil comme ça. En plus de lui donner un nom au Vertigo, il lui donne. Yep. Rien n'est laissé au hasard. Et là il y a un coup de fil et on apprend que Hank va être relâché. Et Norma est folle de plaisir. You ever been married, Cooper? No. I knew someone once who helped me understand commitment, the responsibilities and the risks. Who taught me the pain of a broken heart. Au Grand Northern Hotel, il y a Ben qui fait du vélo devant sa grande cheminée. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il y a encore une fois les flammes qui se reflètent. Donc, il y a un gros thème du feu avec Ben. Oui. Il est en contact avec l'Islande pour faire du business. Et les Islandais, ils font des blagues sur les Suédois et les Norvégiens qu'on n'entend pas. C'est dommage, j'aurais bien aimé entendre les blagues. Ouais, moi, je suis complètement passé à côté de la symbolique du feu et moi, j'étais juste perplexe. Face au fait que
Il fait du vélo d'appartement face à sa cheminée, donc déjà le truc hyper désagréable, alors qu'il a l'air vivifiant de Twin Peaks et des bois juste à côté. Pourquoi ? Voilà, c'est juste ma question à Ben Horn. Qu'est-ce que tu fais ? Je pense que c'était vraiment pour avoir les flammes qui reflètent. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il transpire pas mal en plus. Bah ouais, non, mais qu'est-ce que tu fais ? Et là, il y a Audrey qui arrive, toute gentille. Et elle fait un fantastique numéro à son père. Ouais. Parfait, incroyable. Elle veut aider dans le family business. Alors ouais, elle veut... Elle en veut... entrant dans le rayon parfum. C'est ça. Bon, on sait très bien tout ce qu'elle veut. Elle sait être en contact avec le One Eye Jack. C'est ça. Pour pouvoir y rentrer. Mais elle arrive bien à donner des bons arguments. Ouais, elle a vraiment... dans le sens du poil. Elle a bossé le truc, fait croire à son père que du coup, c'est pour pouvoir reprendre le business de la famille, mais pas en arrivant comme une fleur, quoi. C'est-à-dire en bossant dès le début... Au truc chiant, etc. Et elle lui sort la magnifique phrase qui est « Let me be your daughter again », qui, j'imagine que pour le père, ça doit toucher, quoi. Ouais, elle appuie sur les bons boutons. Exactement. Exactement. Et après, j'aime bien, à la fin de cette scène, Audrey met 10 minutes à sortir pendant que Ben, lui, il n'ose pas parler au téléphone en même temps. Et il se tourne, Ils se disent merci 10 fois. J'ai vraiment aimé. Merci, papa. Merci, ma fille. Non, mais vraiment, merci. Non, mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que après, il n'a pas l'air saoulé. Après, il a un petit regard du genre, tiens, ma fille, quand même. Et il n'a pas encore compris. Et ensuite, il agite la tête en mode, bon, allez, business. Et il se remet dedans. You're really serious, aren't you? You have to start to think about the future, Daddy, just like I am. The future? Our family's future. Please let me be your daughter again. On a de nouveau un appel de Gordon Cole. Yes. Pour dire que Albert faxe les résultats du bout de plastique. Ouais. Il y avait un bout de plastique dans l'estomac de Laura. Mm-hmm. Et donc c'est un morceau de jeton du One Eye Jack. Donc encore... Encore un lien, et là... Encore un lien. Là, j'ai noté que ça gueulait un petit peu plus du côté de Gordon Cole. Donc ouais. Voilà, on y viendra. Andy trouve donc l'oiseau, qui s'appelle Waldo. Waldo. Qui est un Mina Bird. Where is Waldo, pendant tout l'épisode. Aussi, yep. Qui est un Mina Bird, et en français, ça s'appelle un Martin Triste. Oh bah, Martin. Bah Martin, qu'est-ce qui va pas ? Oh bah. Tu veux qu'on en parle ? Et on va te faire un chocolat. Et il appartient à Jacques Renault. Voilà. Donc un J qui n'était pas dans la liste de Cooper à l'origine. Ça rajoute des J. Et donc ils vont direct perquisitionner Jacques. Après, ils perdent pas de temps. Et il y a Bobby qui est là pour foutre la chemise. Yes. Mais vraiment Bobby, comment il savait qu'il y aurait une perquisition ? Je sais pas. Bonne question. Comment il sait tiens qu'il y a une perquisition ? C'est vrai. Bonne question. Parce que. Non, je crois que c'est un plot hole. Ok. Il s'est retrouvé là, mais comment il sait que... Parce que s'il met la chemise là, c'est pas pour que Jacques la retrouve. Non, ouais. C'est pour que la police la retrouve. Peut-être qu'il sait que justement la police est sur les traces des Renault rapport à ce qu'on a vu à l'épisode précédent et tout ça. Léo, il a laissé ses initiales en plus sur LG. Lyndon Johnson. Bah parlons de Léo justement, qui a un rendez-vous secret avec Ben. Et yeah. Léo se pointe en... Léo Red Corvette. On s'en lasse pas. Et là, on connecte toutes les histoires. Hein. Mm-hmm. Parce que là, on a enfin le côté Léo qui est connecté au côté la Syrie et tout ce bordel. Yep. Parce que, ouais, Ben... Léo, il s'est pas pointé les mains vides. Hein. Il a un paquet. Et il a tué Bernard Reynolds. Voilà. C'est ça, le paquet. Donc, on n'entendra plus jamais son accent. Donc, une petite seconde de silence pour l'accent de Bernard Reynolds. Voilà. Trees. Et donc du coup Ben il fait bon très bien mais du coup il l'enliste pour aller mettre le feu pour brûler la Syrie. Voilà. Et ce qui est assez drôle parce que dans une des scènes juste après on voit que Josie elle contacte Hank, donc on a encore des autres connexions qui se font. Et donc les deux gros cons de la ville qui sont Hank et Léo, ils sont tous les deux engagés dans l'histoire de... Yep. Donna et Ben cherchent le collier qu'ils avaient enterré et que... Ouais, et j'ai noté un truc intéressant, un peu qui est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'apparemment, donc, Sarah, c'est pas la seule à avoir des visions.
Donna disait que, ouais, apparemment, Sarah, elle est un peu bizarre, elle avait des visions, mais Laura aussi en avait. Laura avait des visions. Ce qui est intéressant. Et ils sont interrompus par une chouette. Par un hibou. Par un hibou, pardon. Ouais. Et donc, ouais, un hibou qui les regarde, qui fait peur. Yes. Et voilà. Voilà. Ensuite, Josie prépare un sandwich. Ouais, et puis ils parlent de poisson pendant au moins 5 minutes. Et ouais, j'ai noté que du coup... Ils ont l'air de bien s'entendre. Ils sont comme cul et chemise. Et vraiment. C'est la pire ennemie de sa femme. Ouais. Et lui, il est là genre, je t'ai fait un sandwich. Non, elle lui a fait un sandwich. Ouais. Non, lui, il est là, tu veux venir à mon concours de pêche avec moi? Ouais. Et elle dit oui en plus. Mais c'est génial. Et du coup, bah ouais, ils vont aller pêcher un championnat. Et c'est vraiment les intrigues que je veux. Est-ce que Josie manipule Pete ou quoi que ce soit? Ou est-ce que tu crois qu'elle l'aime vraiment bien? Je pense qu'elle l'aime juste bien, quoi. Après, bon, évidemment, elle s'en sert un peu pour avoir ce qu'elle veut. Et c'est grâce à lui qu'elle a eu accès au compte et tout ça. Mais juste là, elle avait l'air d'être de passer un bon moment. Ils sont vraiment mignons. Et donc, on a la dernière connexion avec Josie qui reçoit un dessin de domino. Oh, putain, ça. Et attends, c'est pas tout. Déjà, c'est un très beau dessin de domino. Ouais. Et en plus, c'est vrai qu'il Hank, dessine. Il l'appelle pour checker si elle l'a bien reçu. Imagine, elle l'a pas reçu. Imagine, il l'appelle. T'as reçu mon dessin de domino? Quoi? Il fait, putain, j'ai passé 15 heures à dessiner un domino. Donc bon, bah écoute. Et l'épisode se termine comme ça. Yes. Avec beaucoup de choses qui vont vraiment être lancées. Là, on a Cooper qui est sur la piste du One-Eyed Jack, de Jacques Renault. Yes. On a Audrey qui se lance dans la danse en essayant de rejoindre le One-Eyed Jack. Carrément. On a, qu'est-ce qui va se on passer a Josie avec, qui fait du business avec Hank. On a Léo qui fait du business avec Ben pour brûler la Syrie. Ça accélère. Là. Donc ouais, est-ce qu'elle va réussir à tous les niveaux, ça accélère. Est-ce qu'elle va réussir à faire tomber Catherine avant qu'elle puisse passer à l'action avec le... À part pour James, il se passe rien pour James. Il voit un hibou. Est-ce que ça compte comme un pique-nique ce qu'ils ont fait? Parce que peut-être ce serait... J'ai pas remarqué s'ils avaient des sandwichs. Et... je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans le premier épisode, James aime vraiment, vraiment les pique-niques. Il a vraiment hâte du pique-nique, quoi. Voilà, et ils vont jamais au pique-nique. Et donc, depuis tout ce temps, on se dit que peut-être qu'il va pas trop chez James et qu'il veut pas. Son arc n'est pas résolu. Il n'a pas eu son pique-nique. Petite pensée pour James. Parlons d'une scène coupée. J'hésite à la mettre dans la section spoilers. Bon, allez, je vais la mettre dans la section spoilers. Ok, bah, pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, on vous donne rendez-vous à l'épisode prochain. Ouais. Donc, ben. Salut. Dans l'épisode prochain, qui s'appelle Cooper's Dreams. Yes. Donc, je me souviens plus ce qu'il y a dedans, mais j'ai hâte, vu le titre. I'm gonna play Somewhere Over the Rainbow and try to anyway. Alors, donc, oui, il y a une scène coupée, ou en tout cas qui a été enlevée du scénar ou qui a été filmée, je suis pas sûr. Où Audrey se rappelle qu'elle a poussé son frère dans les escaliers quand ils étaient enfants. Ah, d'accord. Ouais. Ah. Et dans le wiki de Johnny Horn, c'est marqué que quand ils avaient 8-9 ans, elle l'a poussé dans les escaliers. Je me rappelle pas que ça revienne dans la série, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la section spoiler, parce que je suis vraiment pas sûr des fois que ça revienne. Et donc ouais, apparemment c'est la raison pour laquelle Johnny, le pauvre Johnny, est comme ça, c'est parce qu'un jour elle a eu une crise, elle l'a poussée, quoi. Enfin, quand elle était gamine, donc. Ouais. Et ça change un peu la vision qu'on a d'Audrey. D'Audrey, ouais. Ça change aussi Johnny, c'est un peu tragique. Bah, ouais. C'était déjà tragique, tu me diras. Ouais. Non, surtout. J'imaginais pas, enfin, qu'ils ajouteraient ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont enlevé du scénar, parce que peut-être ils voulaient pas que Audrey. Parce que ça change un peu la manière qu'on voit Audrey. Oui, quand même. Et puis ça doit ajouter énormément de culpabilité au personnage, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça qu'elle pleure, et ensuite ça passe à une scène, je sais plus quel moment, où elle est en train de. Dans l'épisode, là, il y a une scène où elle a les larmes aux yeux. Ouais. Et en fait, c'est parce qu'ils ont coupé le début où elle pensait à ça. En fait. D'accord. Ok. Je crois juste avant qu'elle voit son père. Un autre truc que sur lequel je voulais revenir maintenant qu'on est dans les spoilers. Ouais. C'est All the Way Back, la Log Lady, ce qu'elle raconte en ouverture d'épisode. Ouais. Non seulement elle dit Look in the mirror, what do you see? Ça a été enregistré après la saison 2, hein, les trucs de la Log. D'accord, ok, ouais. C'était pour une cassette, pour les cassettes qui sont sorties dans les années 90. D'accord. Donc c'est pas genre un truc qu'ils avaient prévu à l'avance, ils avaient. Non, c'est. Voilà. C'est vrai qu'elle parle de feu,
parle de fumée, il parle de miroir. De miroir, et demande qu'est-ce qu'on voit dans le miroir. Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir, est-ce que c'est vraiment que ça. Que ce soit, quand on rencontre des gens et que c'est pas vraiment les gens qu'on pense que c'est, etc. Yes, ça arrive dans tous les films de Lynch. Même le dernier épisode de la saison de 3, c'est plus ou moins là-dessus. Oui, voilà. Oui. Donc, je voulais juste... Et puis, elle redonne le petit « Is it a dream or a nightmare » qui était un petit peu un truc dit par Donna plus tôt dans la saison, et encore une fois, un bon résumé de Twin Peaks. Je vais retourner à Audrey. Très bien. Les rêves d'Audrey dans cet épisode, des rêves d'aventure, de partir, de quitter un peu Twin Peaks, de s'évader, et la Audrey qu'on voit dans la saison 3. Voilà, je voudrais parler de la tristesse du truc. Moi, ça m'a rendu triste. De voir Son destin est vraiment tragique. C'est super triste, son fils c'est un psychopathe et tout, enfin il s'est fait violer par Mr. C, vraiment vraiment tragique. C'est pas comme si c'était un personnage qu'il mérite, mais qui mérite ça de toute façon? Non mais dans tous les cas oui. C'est franchement, je trouve ça très triste. C'est vrai que c'est dur, c'est vraiment dur. Je voulais en parler quand il y avait la danse. Ouais. Je me suis dit non, je vais attendre un peu. Non, mais là encore plus quoi. Quand elle se met à parler de ses rêves et de ses envies du futur et des trucs comme partir ça. Partir avec Cooper et voir comment ça a tourné après, puisque Cooper, voilà. Ouais. C'est triste. j'avais pas énormément pensé à ça. Un autre personnage qui apparaît dans la saison 3 et qui est vachement différent de ce qu'on voit dans la saison 1, c'est Jacoby. Oui, alors oui. Jacoby, il est. Autant là, il est vraiment important dans l'intrigue, etc. Autant dans la saison 3, c'est plus une sorte de commentaire sur notre époque, en fait. Ouais, et aussi important pour Nadine. Pour l'arc de Nadine. Oui. Il n'y aurait jamais Big Ed ensemble avec Norma si elle n'a pas cette rencontre avec Dr. Jacoby. C'est vrai. Ouais. Donc, merci Jacoby. Mec, merci Jacoby. Il a fait son boulot, pour une fois. Il a aidé des gens. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et non, j'aime bien ce côté maintenant, c'est une sorte d'Alex Jones. Un peu YouTube Alex Jones. D'ailleurs, si je peux me permettre, à la sortie de Inland Empire, David Lynch s'est fait interviewer par Alex Jones, le vrai. Faudrait peut-être dire qui est Alex Jones, toi aussi. Ouais, Alex Jones, c'est un... Comment t'expliques ça, Alex Jones? Alors, c'est un mec qui a des sortes de news... Comment s'appelle son truc, son site? Infowars. Et en gros, il vient te parler dans chaque émission. Il parle un peu comme ça. Tu vois, il est très hulk dans le genre. Et il vient rouge et son cou, il gonfle. C'est un fou, quoi. Si une Monster Energy Drink, c'était une personne. Voilà. Et il te parle de toutes les théories du complot, toutes les trucs vraiment... Des trucs vraiment affreux, comme dire que l'école de Sandy Hook n'a pas été, pas été attaquée par un tireur, mais qu'en fait c'est un coup monté du gouvernement et que les enfants sont cachés quelque part, etc. etc. Qu'il y avait une pizza gate, il y avait un sous-sol dans une pizzeria où ils faisaient des sortes d'orgies et des trucs dans le genre. Mais ouais, du coup, ce gars-là, on s'en foutait un peu, il était vraiment à la marge jusqu'à ce que Trump se fasse élire, parce que Trump venait de temps en temps dans son, intervenait par téléphone. Il était connu pour en se moquer. Il y avait des mèmes, quoi. C'était... Voilà. Mais en étant élu et parce qu'en fait, il profitait d'Alex Jones. Trump profitait d'Alex Jones pour récupérer son public. Mm-hmm. Seulement Trump, ça a gagné pour lui. Et donc du coup, ça a mis vraiment Alex Jones. Ça lui a donné beaucoup plus de popularité et d'exposure. Et donc du coup il s'est retrouvé vachement sur le devant de la scène et il a fait pas mal partie maintenant c'est un des journalistes préférés du président des États-Unis. C'est vraiment triste, c'est très on triste et vraiment un drapeau de la droite alternative, de l'alt-right. J'essaie de réfléchir à qui ça pourrait être en France. Ça pourrait être une sorte de Zemmour sous cocaïne. On n'a pas vraiment Soral. Ouais, Soral Diodo. Ben, voilà. C'est plus dans ces mecs là c'est comme si imaginer que le prochain président il soit là à dire que ces gens-là, vraiment next level, quoi. Vraiment lizard people et tous ces trucs. Et donc tu disais. Et donc à l'époque de la sortie d'Inland Empire, David Lynch s'est fait interviewer dans Infowars par Alex Jones, qui est une interview qui est sur YouTube et que je recommande à tous d'écouter, vraiment parce que c'est un des plus beaux dialogues de sourds qui ait eu lieu dans l'histoire des dialogues de sourds, parce que
Il se trouve qu'un petit peu avant, David Lynch s'était mis à parler dans une interview allemande de 9-11, donc du 11 septembre et tout ça. Et Alex Jones, il s'est mis en tête qu'il allait lui poser toutes les questions possibles sur le 11 septembre, alors que David Lynch était là pour parler de son film et de méditation transcendantale. Et donc, du coup, Alex Jones, il arrête pas de lui poser des questions complotistes. Et à chaque fois, Lynch, il répond en contournant la question et en se mettant à parler de ses phrases habituelles sur la méditation transcendantale et tout. Et c'est vraiment quelque chose. Et cette interview contient un de mes trucs préférés, qui est une pause où on a la musique de Twin Peaks. Et superposé à ça, on a Lynch qui parle du 11 septembre. C'est vraiment un truc. C'est un collage incroyable. Une époque formidable. C'est vraiment qui l'eût cru. Donc voilà. On a fait le tour ? Je crois qu'on a bien fait le tour de cet épisode, en tout cas. Ok, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Comme d'habitude. Comme d'hab sur les réseaux sociaux, Lynchplaining, sur SoundCloud, Lynchplaining, iTunes aussi. N'hésitez pas. Salut. Salut. Crank up that radio. Crank up that radio. Let me tell y'all a story.